Le projet FABA mis en œuvre au Cameroun et en Côte d'Ivoire est un projet très pertinent qui cadre parfaitement avec la stratégie nationale de développement à la SND 30 du gouvernement camerounais qui, dans le domaine agricole, la chaîne de valeur banane plantaire fait partie des cultures prioritaires à développer. Je dois signaler que l'émergence de la chaîne de valeur banane plantaire est une préoccupation qui tient à cœur Son Excellence, Madame le ministre de la Recherche scientifique, Dr Madeleine Twente. C'est donc pour emboîter le pas que Dr Nguyen Wen, directeur général de l'IRAT et du CABAP, n'a pas hésité un seul instant à donner son accord pour la collaboration de l'IRAT et de l'Institut à participer à cet important projet. Ce qui a facilité notamment la participation des chercheurs et des techniciens, une participation active des techniciens et des chercheurs à ce projet. Et notre participation a été très appréciée par les différents intervenants parce que cela a permis d'avoir des échanges entre les différents partenaires de recherche et développement au niveau sous-régional. Et nous devons aussi préciser qu'à travers la participation à ce projet, nous avons beaucoup appris, notamment l'approche et la méthodologie pour le montage des vidéos pédagogiques. Que nous espérons que ces vidéos pédagogiques vont contribuer à l'installation des futurs producteurs au niveau de la filière banane plantain. Et aussi, à travers ces vidéos pédagogiques, nous allons faire face à un certain nombre de défis, notamment l'insuffisance de l'offre et la forte demande qui est de plus en plus croissante dans les différents marchés, que ce soit au Cameroun ou dans les autres pays.